Saint-Louis va être dans cette mouvance anti-judaïque. On ne peut pas comprendre Saint-Louis si on ne replace pas ce roi et ce personnage dans sa croyance profonde. Déjà en 1230, et il demande que les chrétiens ne payent pas leurs intérêts pour les dettes contractées auprès des Juifs, ce qui va les appauvrir. Et en 1234, il va encore plus loin puisqu'il annule d'un tiers la dette. La dette à l'endroit des Juifs, n'est-ce pas? Puisque les Juifs, depuis Latran, ne peuvent, le concile de Latran, ne peuvent pas exercer beaucoup de métiers. Ils ne peuvent plus travailler la terre, ils sont limités dans leurs déplacements, ils portent une sorte d'insigne désignant qu'ils sont juifs. Donc vous voyez, il ne leur reste en gros que le prêt à intérêt. Et c'était un métier très répandu parmi les Juifs. Et en 1254, il va aller encore plus loin, il va interdire le prêt à intérêt, ce qui va plonger les Juifs dans une misère noire et va les fragiliser socialement aussi. Le roi Saint-Louis, il est là pour que, au jour du jugement dernier, qui est très proche dans la mentalité du Moyen-Âge, hein, ce n'est pas dans 1000 ans, ça peut être le lendemain, donc le jour du jugement dernier, pour que le royaume de France soit en ordre. Et que lorsque le Christ reviendra, d'abord il passe par la France, et ensuite qu'il trouve un monde en ordre, c'est-à-dire des sujets qu'il puisse amener avec lui, hein, et qu'il ne soit pas pécheur. Or, depuis le baptême de Clovis, les Francs sont considérés par l'Église catholique comme le nouveau peuple de la Nouvelle Alliance. Donc ça donne évidemment une responsabilité majeure au roi Saint-Louis, qui est d'empêcher à tout prix la scission du peuple de Dieu. Il a une responsabilité religieuse. Les ordonnances du bon roi Saint-Louis, entre 1230 et 1254, vont renforcer sa politique anti-juive. Pourquoi anti-juive et pas antisémite? Oui, le mot antisémitisme existe depuis seulement le 19e siècle. Anti-judaïsme signifie le fait de rejeter les juifs parce qu'ils n'avaient pas reconnu la messianité de Jésus. Il ne fallait pas les tuer parce que le judaïsme était la sœur aînée du christianisme. C'est pour cela que pendant les croisades, on ne les a pas, exterminés. Face aux juifs, Saint-Louis a une attitude compliquée parce qu'il considère qu'ils sont le premier peuple élu. Mais il leur reproche leur faute, qui est de ne pas avoir reconnu la divinité du Christ. Et donc, il veut que ce vieux peuple élu, retrouve le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il se fonde, et à ce moment-là, c'est toute sa politique anti-judaïque, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour les convertir. Parce que l'anti-judaïsme préconise que si le juif se convertit au christianisme, il n'y a pas de raison de le persécuter, parce que l'objectif c'est qu'il se convertisse, qu'il retrouve la messianité de Jésus, qu'il reconnaisse la messianité de Jésus. Alors la conversion était une ouverture, tandis que dans l'antisémitisme qui est politique, le juif est poursuivi parce qu'il appartient à une race, à une ethnie, tandis que au Moyen-Âge c'est parce qu'il appartient à une religion. Alors, le problème de la conversion au Moyen-Âge, et même plus tard, on va retrouver ce problème jusqu'au XVIIe siècle avec les protestants, pour la même raison d'ailleurs, hein, pas de scission à l'intérieur du peuple de Dieu. Eh bien, toute la difficulté, c'est que l'Église veut en réalité une conversion profonde, une conversion sincère. Bon,
Puis quand on n'y arrive pas, en règle générale, le pouvoir explique que peut-être qu'en aidant un peu la sincérité, on arrivera à les sortir de l'erreur. Et ce qu'il faut bien regarder dans toutes ces questions, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on regarde l'histoire du Moyen-Âge avec le filtre de la Shoah, du nazisme. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement compliqué. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour le roi Saint-Louis, il ne veut pas exterminer les Juifs. Il veut les ramener dans le troupeau. Voilà. Alors le problème, c'est que parfois, le berger a le bâton un peu lourd. Et puis, on voit que l'antisémitisme peut aboutir jusqu'à l'extermination, parce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire. Tandis que dans l'antijudaïsme, il y a une solution intermédiaire qui est la conversion. Mais il ne faut pas oublier que l'antisémitisme va être beaucoup nourri par l'antijudaïsme, qui était déjà bien installé dans les mentalités. Et les deux vont faire un tout. Saint-Louis ne tolérera jamais un antisémitisme populaire. C'est-à-dire que si dans Paris ou dans une grande ville, parce que les Juifs à ce moment-là sont évidemment plutôt dans des centres urbains, sont attaqués ou sont spoliés par des sujets du roi, ils sont immédiatement punis. Alors ensuite, si vous voulez, au niveau religieux aussi, il va attaquer les Juifs et va cibler le Talmud comme un texte blasphématoire. Et c'est ainsi qu'en 1242 ou 44, on ne sait pas très bien la date, sur la place de Grève, il y aura 24 chartés de manuscrits talmudiques qui vont être en place de Grève, qui vont être brûlés. Il va alterner tout au long de son règne, alors il sera plus dur à la fin de son règne, mais il va alterner comme ça des périodes de relâchement et des périodes de plus grande sévérité, notamment quand il va brûler le Talmud ou les textes sacrés, dont il considère qu'en fait ils empêchent le retour des brebis égarées au sein du troupeau. Et il se dit cette chose qui peut paraître, mais il se dit, bon, si on brûle leurs textes, ils seront bien obligés d'en revenir qu'à notre vérité. Toutes ces trajectoires d'antijudaïsme servira plus tard, n'est-ce pas, à ce que Saint-Louis soit canonisé. Alors cette image de Saint-Louis, le bon roi, est une mythologie créée et qui a subsisté dans le roman, national français, même si la laïcité est un des piliers de notre République.